petit pote, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors dis petit pote, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo. T'as quoi? Ah oui, je sais. Ta-da! Oui, j'ai réagencé un peu, tu vois, pour faire un petit côté décor assez sympathique. Et aussi ma petite coupe que je me suis fait aujourd'hui même. Voilà. Je pense que on s'en fout. Là, surtout pour le tuto. Bah ouais, logique. Donc c'est un tuto comment avoir le bouton s'abonner personnalisable et il est animé, voilà, il y a, avec le pouce bleu et la cloche, voilà, comme celui-ci là qui apparaît, voilà. Donc voilà les petits potes, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche et en mettant ton petit pouce bleu, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce les petits potes, let's go. Ok le petit pote, donc là on est sur le PC, donc comme vous pouvez le voir, tout simplement il faudra aller dans la description. Et dans la description il y aura un lien parce que là en gros c'est le modèle pour que ce soit encore plus facile pour vous. Comme vous pouvez le voir, on est sur Canva. Et par contre il faut un compte. Le compte, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Il y a la version payante, mais nous j'ai que la version gratuite. Donc vous prenez la version gratuite, vous créez un compte, tout ça, tout ça. Et ensuite là vous arrivez sur cette page. Et ce qu'on va faire c'est, là comme vous pouvez le voir, bon là il y a mon logo, tout ça. Vous taperez sur le logo. Et par exemple votre nom, bon ben moi c'est Erwan Saidi, mais enfin Erwan SDJ, donc je vais laisser. Mais vous, ça sera votre nom de chaîne YouTube à vous, donc vous marquerez ce que vous voudrez. Voilà, après vous pouvez aussi, après vous pourrez aussi changer la couleur. Là par exemple je marque bleu, voilà. Ma chaîne YouTube c'est bleu. Là vous changez la couleur, je mets par exemple en rouge. Voilà, c'est en rouge. Votre logo, par exemple, si vous voulez changer, c'est très simple. Vous importez depuis des médias, voilà, de votre appareil. Voilà, après vous importez, nanana, tout ça, tout ça. Par exemple, là, attendez, voilà. Par exemple, mon ancien logo, d'ailleurs, je remercie Erco pour avoir fait mon nouveau logo. Et bah, par, vous allez le glisser comme ceci, voilà. Bon là vous voyez rien mais ne vous inquiétez pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a le bouton s'abonner avec le pouce bleu, la cloche, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, après, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre un sous-titre. Enfin un sous-titre, c'est, ouais, on va dire par exemple gaming et IRL. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour dire qu'est-ce que vous faisiez sur votre chaîne. Voilà, on rate ici, tu vois. Pour moi, il est clairement dégueulasse et tout. Mais voilà, après, ça rend comme ça à la fin. Donc du coup, si vous voulez voir le résultat, voilà ce que ça fait. Voilà, donc c'est assez sympathique, on va pas se mentir. Donc ensuite, quand vous aurez tout terminé, tous vos petits modifications, vous allez appuyer sur le bouton télécharger. Ensuite, vous allez choisir. Bon, moi c'est un MP4, mais après si vous voulez quelque chose d'autre, bon, c'est votre truc. Donc vous faites télécharger. Là, c'est en train de télécharger, donc on attend. Voilà, ça vient de télécharger, voilà, comme vous pouvez le voir, copie de subscriber, bon ça, on s'en fout, mais c'est parce que c'est comme ça, ça s'appelle comme ça. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, ça l'a téléchargé, hein, copie de subscriber template. Et donc ensuite, on se retrouve sur mon logiciel de montage. Ok les gars, donc comme vous pouvez le voir, on est sur mon logiciel de montage Premiere Pro. Donc par exemple, si tu n'as pas Premiere Pro et que tu voudrais l'avoir totalement gratuitement, tu n'as juste à cliquer sur la petite fiche qui s'apparaîtra quelque part. Là, je sais pas où, mais quelque part. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, on est sur mon logiciel de montage. Donc là, on a le bouton, tout ça, tout ça. Tout marche très bien. Voilà. Mais nous, après, ce qu'on voudrait, bah, c'est enlever bien sûr
le fond vert, parce que nous on veut pas un gros fond vert. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans les effets. Voilà, en même temps je vous fais un petit tuto et taper Ultra Key. Non. Ultra Key, voilà. Et c'est celui-là. On va le glisser, on va le mettre sur notre vidéo. On va aller ensuite dans Options d'effets. Cliquer sur notre vidéo, prendre la petite pipette, enlever le fond vert. Voilà, je vous fais un petit tuto en même temps. En même temps, c'est sympathique. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de fond vert. Donc voilà, petit pote, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère encore une fois que tu as mis ton petit pouce bleu en t'abonnant et en activant la cloche. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. J'essaie de vous faire des tutos plus souvent parce que je vois que ça vous plaît énormément. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, voilà, petit pouce bleu, tout ça. Et sur ce, les petits potes, moi je vous dis tchuss.